ce silence, ça tourne. Sûr, parce que je trouve ça très difficile de séduire, même s'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Il y a 10% de plus de femmes que d'hommes sur Terre. Ça veut dire que chaque homme a le droit à une femme plus. Un petit peu de rab. 10% d'une autre femme, qu'est-ce que vous choisiriez, messieurs? Oh, ils ont les boules. Moi, je choisirais rien, parce que chaque femme est unique. Un peu d'humour. Non, vous avez raison de réagir, mesdames, parce que ça veut dire aussi que chaque femme a droit à un homme moins 10%. Je vous laisse un petit peu de temps, les filles, il y a des maths. Vous me dites quand c'est bon? Mais cas pratique. Assis à une terrasse de café, un mec se dit en voyant la super nana à la table d'à côté, s'il y a une justice sur cette terre, la super nana va venir me voir parce que je suis un type intéressant, drôle et très très bien foutu. Je joue un personnage. Bande d'enfoirés, va. J'ai senti un rejet général. Ça va les gars, je suis pas un monstre, non. C'est au mec de se lever et de dire un mot gentil à la super nana en évitant le « Waouh, jolies jambes, à quelle heure elles ouvrent ?» Michel, n'oublie jamais, le mariage est un cercueil dont les enfants sont les clous. Témoin du marié, je connais Michel depuis longtemps, bien avant qu'il ne devienne hétéro. Souris Michel, après tout, le mariage est un jour gay. Ça fonctionne. Déjà, il y a la grossesse. C'est compliqué la grossesse dans un couple. Il y en a un qui vient en faire pendant que l'autre ne fait rien. Heureusement, les hommes sont habitués à souffrir en silence. Et après, il y a l'accouchement. Alors, pour le petit dernier, ça a duré des plombes. À un moment donné, j'ai dit au gynéco, faites-lui une césarienne. Moi, au bureau, quand il y a un bourrage papier dans l'imprimante, je l'ouvre. Il m'a répondu, si je fais une césarienne, on m'appellera Moïse parce que j'ouvre la mer en deux. Bon. Après, le bébé est sorti, la sage-femme m'a proposé de couper le cordon. Alors, j'ai demandé à ma femme de me regarder couper le cordon pour qu'elle puisse faire pareil avec sa mère ensuite. Puis après, je suis allé reconnaître l'enfant, il faut toujours reconnaître ses erreurs. Et enfin, il y a eu le choix du prénom. Alors, pour choisir le prénom avec ma femme, on avait décidé de prendre chacun le prénom de notre grand-père pour faire un prénom composé. Bon, ça faisait Émile Louis. Évidemment, on ne l'a pas fait. Du coup, on a pris le prénom de notre autre grand-père. Du coup, il s'appelle Guy Georges et on est ravis. Alors maintenant, un tuto, le bébé est là, il faut s'en occuper. Vous avez entendu les pleurs? Il veut dire quelque chose, là. Il veut dire qu'il a mal. J'ai analysé les pleurs de mon bébé. Je peux vous dire que, un peu comme Champollion avec les hiéroglyphes, à quoi ça correspond. Tiens, vas-y, balance-moi les pleurs de mon enfant, s'il te plaît. Vas-y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire? J'ai faim, bravo! À l'autre! Bon là, il y a le feu! Vas-y, à l'autre, vas-y! Bon là, il y a clairement un excès de vitesse! Arrêtez, à l'autre! Mais arrête, ça c'est ma femme qui gueule, arrête! Qu'est-ce que t'as foutu? Non mais je vais partager, j'ai tous les sons de mes enfants, parce que je l'ai comme des images, certaines des photos, j'ai des sons. Tiens, la première fois que mon fils est né, il a shooté dans un ballon de football. Autre chose, vous savez, le bébé là, il est dans la même crèche que le fils de Maître Gims. Voilà, bon. Eh bien, on a enregistré, j'ai enregistré à son insu, le fils de Maître Gims. Voilà, j'adore ça. Écoute, vas-y. Bon, vous le gardez, oui, tu peux applaudir, c'est bon, ça fait pas mal. La colotte encore, le temps, ça prend du temps. En moyenne, une femme consacre 119 minutes par jour à s'occuper des enfants et un homme 49 minutes. Qu'est-ce que vous en déduisez? C'est que les hommes sont plus efficaces. Écolo, allez, on y va. On met le temps ici, après les pleurs, dans les avantages, baby-sitteuse.
J'ai eu un problème une fois. J'avais booké une jeune fille au père suédoise pour venir dormir à la maison. Ma femme a pété un plomb. Tout ça parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore d'enfant. Mais si vous m'écoutez ce soir, parce que j'ai réussi à régler les problèmes homme-femme. Ce qu'il faudrait, c'est que les hommes disent tout ce qui ne va pas chez les femmes et que les femmes disent tout ce qui ne va pas chez les femmes aussi. Vous êtes d'accord, messieurs ? Oui ! Alors, on va le faire maintenant. Messieurs, vous allez écrire des petites choses. Vous allez écrire des petites choses qui vous tracassent au sujet des femmes, d'accord ? Et on fera le contraire après, si on a le temps. Je vous cache pas qu'on a commencé à la bourre. J'ai du papier en râpe pour ceux qu'on a gros sur la patate. Ma femme est devenue folle, elle a acheté un pantalon taille 36 pour se forcer à maigrir. J'espère que ce sera encore à la mode quand elle aura réussi. Bienvenue en Suisse. Ma femme est magicienne, elle me casse les couilles sans jamais les toucher. Quelqu'un qui a mis toutes des salopes. Quelqu'un écrit ça. Tu écris ça, écris ça, écris ça. On va finir sur toutes des salopes. Je suis désolé de te faire écrire un truc pareil. Écris, qu'est-ce que je te dis? Écris. Pourquoi tu veux pas écrire? Non, c'est marrant, c'est la même écriture. Tu mets deux PS, salope, toi? Non, non, j'arrête, j'arrête. En plus, je me rends compte en vous regardant qu'il y a plus de femmes que d'hommes ce soir. Il y a plus de femmes que d'hommes ce soir. En plus, elles ont l'air vives. Alors, je vais vous dire ce que les femmes ont écrit hier et que je n'ai pas dépouillé. Je les découvre en même temps que vous. Je vous demande un instant, je corrige les fautes d'orthographe. Il y a 5 fautes dans le premier mot, pourtant c'est le. Ça doit être une prof. Non, c'est pas le, c'est tellement mal écrit. Chaque jour, je suis davantage ébloui par l'intelligence des hommes. Je suis aujourd'hui presque aveugle. Les bisous, c'est bien, les bijoux, c'est mieux. On a envoyé un homme sur la Lune, pourquoi on n'a pas continué ? L'homme descend du singe, mon mari est toujours en haut. Je me suis trompé de paquet. Ma belle-mère m'a appris qu'elle voulait préparer son enterrement. Elle m'a dit « Je veux que vous soyez tranquille le jour où je serai plus là. » Mais ça va de soi. Du coup, je l'ai emmené aux pompes funèbres. J'ai dit au type des pompes funèbres que je cherchais un cercueil. Il m'a dit « C'est pour vous ?» J'ai dit « Non, c'est pour offrir. » Il m'a proposé un cercueil intérieur cuit. J'ai dit « C'est pas la peine, il y aura déjà de la peau de vache dedans. » Pour la gravure, j'ai voulu écrire à ma belle-mère avec son nom, son prénom et sa date de naissance. Mais quand j'ai vu qu'il facturait à la lettre, j'ai juste fait mettre un smiley. Une fois dans la voiture, ma belle-mère m'a dit « Tout est prêt ?» Je dis « Oui, il n'y a plus qu'à caler la date. » Du coup, je l'ai emmené à l'hôpital pour faire un bilan de santé. Tout allait bien, j'ai insisté. Le médecin m'a dit « Je veux bien pousser les examens, mais il n'y a qu'une chance sur 1000 pour qu'elle ait quelque chose. » Oh, tant qu'il y a de l'espoir. Au final, le médecin lui a trouvé quelque chose. Elle avait encore de belles années devant elle. Du coup, j'ai appelé les pompes funèbres. Fausse alerte, on annule l'opération Youpi. Quelques mois plus tard, l'hôpital m'a appelé pour m'annoncer que ma belle-mère avait un problème. Une fois sur place, le médecin m'a dit que ma belle-mère était dans le coma depuis 5 minutes. Je lui ai dit, je veux pas qu'elle souffre plus longtemps, il n'y a plus aucun espoir, débranchez-la.
À l'église, au passage du cercueil, on sentait que les gens étaient tristes, la holla n'a pas pris. Et la chenille non plus. Puis, j'ai pris la parole. Je vais faire l'éloge funèbre de ma belle-mère, puis après on passera à l'ouverture des cadeaux. Un peu de silence, s'il vous plaît, respectez ce moment de bonheur. Avant de commencer en hommage à ma belle-mère, j'aurais aimé faire une minute de silence, mais je me dis que les femmes n'y arriveront jamais. Vous voyez? Afin de faire des économies pour transporter le cercueil de l'église au cimetière, j'ai pas pris de porteur, j'ai fait ça avec un diable. Au moment de la mise en terre, une sonnerie a retenti. On avait oublié de retirer le portable de ma belle-mère qui était resté dans sa poche. C'est étonnant d'entendre un portable sonner dans un cercueil. C'est d'autant plus étonnant quand ça décroche. Ma belle-mère était encore vivante, youpi. Les pompes funèbres m'ont dit que tous les frais que j'avais engagés devaient être payés. Ils ont quand même été commerçants, ils m'ont pas facturé le feu d'artifice. Le Seigneur nous avait rendu ma belle-mère comme quand même lui n'en avait pas voulu.